nous dit un gros bonsoir, un gros bonsoir à tout le monde qui vient brancher dans belle grain de micro seconde. Déjà, nous sentons vraiment contents pour que nous retournions encore sur stage là, pour que nous capables de représenter notre émission ça, hein, qui baptise selon ça langage bon Dieu. Donc en émission donc pour le faire comprendre tout ça que vous êtes connu en rêve, ou bien en vision, ou bien en songe, qui paraît un petit genre difficile pour vous, à travers gros tonton émission ça, vous pouvez le comprendre tout bagaille. Donc, non pas moi, c'est Pasteur Job Fénelon qui est sous stage là. Gros tonton bisous pour nous tous. Nous prenons la prière, le Seigneur, pour que nous soyons capables encore de commencer. C'est très, 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 très important. Papa, mon Dieu, nous qui sommes dans le ciel, nous bénissons, nous bénissons toute gloire, tout honneur, que vous même seul ou mérité. Merci pour le souffle de vie que vous quittez dans nous. Merci pour ce que vous nous la paix. La paix qui vous bénisse, c'est on la paix absolue. Merci parce que vous quittez à vivre toujours. Et merci pour ça. Pour ne pas quitter à vivre toujours. Donc, qui déjà allé, qui part dans le monde encore. Merci. Merci que nous là, dans le moment que nous avons parlé là, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est en grâce. Merci pour grâce. Nous demandons autant prix que vous êtes capable encore de continuer à nous plus connaissance avec sagesse, avec respect, pour que nous sommes capables encore de continuer à servir et servir encore le peuple. Ça. Que vous bon nous pour que nous brisions. Merci parce que vous êtes toujours là avec nous. Vous ne pouvez jamais laguer nous. Que nous bénis Seigneur. Que nous glorifions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Même seul qui méritait toute gloire, tout honneur. Amen. Dérapé, oui, là, on a dérapé, donc nous allons parler sous question bague dans le moment qu'on a parlé là. Alors, nous allons parler sous question bague là. Donc, il y a un pile de monde, le dormi, il rêvé bague, il ne compte pas comprendre qui ça ouais. Pour mon konwe yo fè ou cadeau bag nan dormi ou bien yo met ton bag nan doigt yo donc yo konn pa comprendre ça yo mais grâce avec émission ça qui baptisé sous nom ça langage bon Dieu et bien le réveillon bag donc yo ka konnen ki le positif et ki le négatif. Je constate que voix vraiment fatiguée, mais comme ça, bon Dieu, vous avez une fête. Il bien dit, les sentinelles, les oiseaux postes, jour et nuit, prennent des fatigues, prennent des repos. Travailler sans se lasser, jour après jour. Ce qu'on homme a semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut. Donc, moi, le récolter.
ça ouais m'a fait là les yeux fermés donc que moi pas ici bas donc que moi le récolter bel travail ça que le Seigneur t'a demandé pour nous faire pour lui parce que j'ai toujours dit après répéter après homme de Dieu donc qui passait déjà yo chaque jour levé tout son ouais qui bon pour faire pour bon Dieu tout ça bon Dieu m'a demandé pour faire pour lui faire pour lui parce que son petit temps on vient faire ici pas venir rester hein. Personne monde pas venir rester ici bas donc on vient passer un petit moment on vient travailler pour le Seigneur qui puis on vient travailler aller ou à le récompenser ça au tessimain donc au tessimain ça pas bon ben ou à le récolter ça pas bon au tessimain ça qui bon tout ben ou à le récolter ça qui bon. Bien, allez, non, là, donc leur rêve bas, donc dans la vraie vie, donc leur rêve bas dans la vraie vie, donc les symboliser affection. Les symboliser l'amour. Et tout le symboliser donc yon alliance que yon moun fait avec ou bien fait avec moun nan. Sentez bien le rêve bag nan dormi dans la vraie vie. Donc il symboliser affection ou bien yon alliance que ou fait avec yon moun ou bien moun nan fait avou ou bien symboliser l'amour. Donc si c'est pas cauchemar que vous fait ou rêver que yon moun fait au cadeau yon belle bague nan dormi ah bien bon Dieu voulait dire que famille ou pour multiplier famille ou apprend très 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 grand famille ou vraiment nombreuse. C'est deuxième signification leur rêve bague dans demain. Si vous rêvez dans demain hein, ou bien en vision en songe donc vous arrivez toute droite pour ces bagues. Attendez bien mes bien-aimés. Donc si vous t'avez rêvé que tout droit tous ces bagues pendant que vous dormez, eh bien qui ça symbolise? Eh bien ça veut dire richesse, honneur et puissance. Si vous t'avez rêvé pendant que vous dormez, vous êtes tout droit tous ces bagues liées, eh bien ils symbolisent richesse, honneur et puissance. Ça veut dire dans n'importe gens ont t'es carré vie ouillé ou t'as sauté dans la prière ou bien ou saute jeûner ou saute passer quelques heures de temps avec le Seigneur donc ou t'as rêvé que dans songe là tout doué tout yo c'est bague qui n'a yo et bien on pas besoin fait que au cassé donc bon Dieu voulait dire que l'a levé en dignité l'a fait en vine devenir grand et l'a bas en pile puissance sous toute forme l'a fait au grand sur le plan économique sur le plan spirituel sur le plan physique sur le plan familial donc son monde cap grand pile honneur donc avant de quitter la terre donc mon a respecté grand pile puissance sur le plan spirituel et sur le plan physique sous toute forme donc il y aura qui en pile pour frère le rêver que tout doit tous ces bagues qui la donne amen.
Donc, si vous regardez que pendant que vous avez dormi ou bien en vision, j'en ai toujours dit, le, ou t'as regardé, ou t'as vrai que vous recevez un bague dans mes yon inconnu. Ça veut dire un monde que vous ne connaissez pas. Donc, vous recevez un bague dans mes yon, donc vous ne connaissez pas. Eh bien, gagnez un monde capable de faire un pile menace. Ou pral pran nan yon complot, ou pral pran nan yon trahison. Tande bien si ou t'arrive que yon inconnu fait au cadeau yon bag nan dormi, eh bien ou pa konn moun nan du tout. Pa oublie que le wap fè rêve la wap ka identifié ça qui bon à ça qui pas bon. Donc cauchemar li pa manke ou hein. Bien, c'est symbole menace ou bien trahison. Ça veut dire qu'il y a un monde qui peut le trahir. Hein? Il faut appeler la prudence de Noël pour être dans la prière pour le Seigneur. Pas qu'un monde, c'est qu'un monde. Mais menace ça, menace de trahison ça. Pas qu'il me prend la donne. Sauvez-moi, hein? Cachez-moi, t'en prie. Pas qu'il me tombe dans le piège ennemi. Hein? Si vous avez rêvé qu'il y a un inconnu, fait au cadeau un bague. Donc, ça, c'est symbole trahison. Même si vous arrivez que ouais mon a fait au cadeau, donc c'est pour faire pile prudence parce que y a battu pour que au prend un piège. Le arrivé que yon moun fait au cadeau yon bag, mais c'est un inconnu qu'il y a inconnu. Jeune fille donc qui pour qu'on marié donc le réveillon bague en bonne condition, c'est parce que ou prend aussi voyons déclaration d'amour donc dans mais au monde que la nature bien la vie t'est choisie pour donc tant que jeune fille ou bien jeune garçon donc on a rêvé que bague dans bonne condition hein. Donc on va recevoir une déclaration d'amour que au monde qui remonte en pile donc elle va le déclarer ou ça il aurait le vin sourd que soit fille tant que t'en recevoir bague là ou bien garçon hein. Bon, c'est ça qui est difficile pour que mon fille remet ou pour que le déclarer ou ça donc on va connaître ça on va connaître pour qui raison mais quand même les filles qui ont déclaré un garçon que le remet donc ça pas mauvais parce que le démon d'amour donc il y en a dit l'autre que le remet ça pas nuit donc garçon qui pas jeune gens le on fille dit que le remet il toujours dit que bon fils ça c'est bon le pas bon c'est pas vrai donc non amour donc pas gain ça le des cœurs tombés d'amour donc yon ka dit l'autre que le remède là ça pas gain danger la donne donc on avance yon jeune fille qui pourrait marier yon jeune garçon qui pourrait marier ou t'arrive que ou jeune yon bag nan dormi et eh bien c'est ou jeune bag là et eh bien parce qu'un monde qui pourrait déclarer ou que le remède donc yon monde ça c'est un élu de votre cœur. Attention, on va besoin de peur. Si vous regardez que dans le rêve, donc vous brisez un bague, vous brisez un bague, donc vous cassez bague là. Ah bien, ça c'est symbole d'une rupture. Ou bien yon infidélité donc on va le commettre dans fraya donc si vous regardez dans fraya donc ou web bag la cassé eh bien soit madame non pour le diviser avant ou bien monsieur donc il pour le diviser avant pour rêver bag ou cassé donc ou gon rupture donc qui fait dans fraya donc ça c'est symbole infidélité ça veut dire gen youn nan moun sa yon a trahi l'autre donc gon alors gen youn qui pas sincère envers l'autre là donc si c'est monsieur qui fait rêve ça la prière en pile parce que foyer après le diviser si c'est madame Nanto qui fait rêve ça elle veut lui demander pour que capable la prière en pile parce que foyer pour le craser parce que les pouvait bague la li briser bague la casser donc pas le grand rupture et eh bien
non fraye ça donc qui pral bay en pile cœur cassé donc en pile monde jodi an fraye ou crasé bon Dieu t'ai montré ça bon Dieu t'ai montré ça mais yo t'ai prend ça la légère et bien jodi an là il y a payé en conséquence qui vraiment pas douce ça le cœur nous marchons de la patrie éternelle pas à nous approchons de la patrie éternelle pas à nous approchons après la lutte suprême la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Donc pour monde qui a un problème pour enfanter donc pour monde qui a un problème qui pas qu'à faire petit yo alors qui semblait pas qu'à faire petit yo parce que tout le monde a fait petit hein eh bien ou t'a rêvé que yon bag en or donc ouais bag là c'est en or donc il fait où elle paraît devant on a une vision eh bien mon Dieu voulait dire que là bas en pile petit pour monde qui pas qu'à faire petit Dieu sous rêver que au jeune un bag en or donc bag là vraiment belle dans son genre bien en vision dans rêve là on veut dire que pas ta casser tête tout parce que pour prendre tirer ta ça ou pas qu'à faire petit on dit bon raison ça qu'arrivé dans tant que le bal baou là donc année ça c'est pour année qui t'a porté fuit pour soit que ou pas le problème quelconque donc on dit obligé reculer date là le bal baou là on dit encore que l'on rêvé que yo ou jeune un bag en or que sous pas sous pour qu'on fait petite et bien mon Dieu veut dire que li pral baou en pile petite ouais li pral baou en pile petite mais si ou gen petite déjà que ouais que ou jeune un bag en or donc belle hein et bien mon Dieu veut dire que pral gen en pile la joie pral gen en pile bonheur donc qui pral tomber dans foyer ça pile cœur pour le content même si ou te ouais que difficulté ou te en pile mais le jour où ou ta gen petit déjà donc ouais ou rêver que ou joigne un bag en or et bien c'est symbole la joie c'est symbole bonheur pas oublier que dans le moment que n'a parlé là que n'a pas parlé sous question ça donc leur rêve bag ou pas qu'on est qui ça ça veut dire bien nous peut toute réponse pour donc gain pas frère positif gain pas frère négatif bonsoir bonjour tout le monde Jésus Christ parle pour ça dit encore qu'il y a un monde qui a posé une question sans encore pasteur si on rêvait que yon bag brisé donc yon bag cassé bien on te dit déjà donc que c'est symbole divorce c'est symbole séparation amoureuse l'on rêvait que yon bag brisé donc
Ce symbole divorce ou une séparation amoureuse, ça veut dire qu'il faut diviser complètement, de pour faire bague ou casser, ou pas de madame encore, ou pas de mari encore. Donc ça troll, apprendre bagaille pour que nous soyons capables encore de la prière, pour que bon Dieu soit capable encore faire grâce. Donc que si vous rêvez que bagouli perdu, donc pendant que vous n'endormiez en wake que vous bagouli perdu, eh bien c'est symbole désastre. Donc vous pouvez vivre une situation côté que ou pas qu'a sorti la donne. Donc ou pas le crier en pile ou pas le pleurer en pile parce que ou pas qu'a sorti non situation ça. Donc m'pa konn la fra ou m'pa konn dimension mais toutefois que ou t'a rêvé que ou gagne un bag donc il est perdu. Donc pendant que ou a dormi yeux clair ou pas jeune bag ça bien c'est symbole désastre. Ça veut dire ou pas le vivre une situation côté que la difficile pour et ou pape qu'a sorti la donne. Demandez pour que ou la pris en pile si ou ta wè que bagou perdu. Osée 4 le verset 6, peuple a péri parce que li pa gen connaissance de la parole de Dieu. Combien de monde donc frayé ou crasé déjà? Combien de monde fiancé a crasé déjà? Combien de monde gon division donc qui pété dans famille là donc qui ou pas à l'aise ensemble donc chaque monde en bord. C'est pas parce que bon Dieu pas de parler. Oui, bon Dieu t'es parlé déjà mais personne monde pas de jambe connaît qui ça savent le dire. Et bien l'heure ou pas connaît qui ça savent le dire eh bien ou ca souffrir en pile ou ca même river échouer dans la vie réelle parce que bon Dieu pas de ou pas connaît. Que nous te dire que l'arrivée bague donc c'est un symbole d'amour et d'amitié, amitié ou amour, ok. Donc c'est ça, mais d'un côté le négatif, d'un côté tout le positif. Nous te dire que l'arrivée bague donc bague c'est un symbole d'amour et d'amitié, amitié ou amour, donc il est clair. Que pour moun ki marié yo donc si ou rêvé que bag la c'est un bag argent que lié donc bon Dieu veut dire que ou ap gen plusieurs petites filles ou bien un monde tout qui pourquoi gen petite donc il t'arrivé que li gen un bag argent donc il en doit li et bien bon Dieu veut dire que petite ou pas le faire son petite fille la pierre ou rêver bag argent donc bag argent pas besoin prier pour petite garçon parce que pas gen petite garçon depuis son monde toujours rêver bag argent et bien une fille ou ap faire. Donc si vous faites petit garçon vous connaissez parce que l'on rêve bague en cuivre donc des pour rêver bague là son bague en cuivre lié eh bien bon Dieu veut dire que c'est petit garçon seulement à faire bague argent c'est pour fille Jésus bague en cuivre donc c'est pour petit garçon. On a constaté que je dis en la technologie à la donc yo fait bagaille la plus clair pour que vous compreniez le monde besoin qu'on est petite la faire donc yo aller yo fait ça qui est c'est pas sonographie donc me pas connaît bien sûr c'est sonographie donc yo fait on fait ka connaît qui petite ou faire maintenant rêve ou tout bon Dieu ka monto qui petite ou faire le réveil en bagage donc c'est pour fille donc ou faire petite fille le réveil en bag en cuivre donc c'est petite garçon qui ou faire. Donc ou même qui senti que foi ou bouleversé ou bien ou senti que ou ou fiancé avec moun ça donc des petits problèmes et bien si ou t'a dormi ou t'a rêvé que et bien
ou recevra, donc ou recevra yon bag, donc ou ap vive li, ou ap contemple l nan men, donc bag la belle, et bien, je voulais dire que, et bien, problème lan moun li résoud pour moun ou remè en pile là, donc problème nan résoud ou pas jeune problème encore, parce que problème ou tap jeune nan, c'était année ak te pote, il faut que li te vini, c'était moi ak te pote, il faut le te vini, mais pour le moment, que dans le présent, et bien, ou pas jeune problème encore. Voilà, ou était consacré que mon a tombé d'amour pour y'en a comprendre l'autre. Donc si toute phrase ou pourquoi marier tant que jeune fille ou bien jeune garçon, donc on t'a rêvé que y'a fait au cadeau y'en bague en argent. Fait au cadeau yon bag en argent, eh bien, qui ça mon Dieu veut dire? Moun kap palave ou la, ou mette fait confiance, ou mette fait confiance, parce que li pap trahi, moun sa ki di ou kelke mou apil la, eh bien, c'est pas un amour qui encore sorti dans bouche li seulement, mais li sorti en dans que, eh bien, ou mette avancé, donc, l'amour ça a privé loin, on a fait succès, on a fait exploit. Donc si vous pouvez marier, bien vous arrivez que vous portez un bag de fiançailles bah, donc ou ta rêvé bague fiancial, donc on dit veut dire que les garçons toujours dit que avant au mari avec une fille faut fille enceinte pour avant, et bien on t'a rêvé ça, donc on t'a rêvé que yo pote yon bague, donc yon bague de fiancial ba ou, et bien bon Dieu veut dire que on va mettre mari avec elle parce qu'on va le faire une série de belle petite avec elle, belle petite, on va le faire une série de petite, donc qui a vraiment belle, donc que tout le monde peut le saisir, ouais, Timon Zayo. Eh bien, on a besoin de dire forte, comment elle vive avec fils en vent pour essayer de la penser. On a besoin de tout ça. Donc, le jour où tu as fait rêve ça, c'est qu'on sort à elle, eh bien, on va être marié, frère. On va être marié, on va faire petite. Hein. Et on a fait un pile petit aussi. Ou rêvé que yon zanmi ou vin foure yon bag nan dwè tout, donc son zanmi ou ki vin mette yon bag nan dwè tout, tande bien, ta gade ou ta vre que yon zanmi ou vin mette yon bag nan dwè tout, et bien, bon Dieu vle dire que, attention, yon kwa l'trahi ou, yon kwa l'fè ou kriye, yon kwa l'pleure, parce que on prend un complot. Attention. Jésus-Christ. Si vous rêvez que un bon ami ou vient mettre un bague dans le doigt tout. Ah bien attention. Pour victoire. Jésus-Christ. Commencez la prière pour que bon Dieu capable encore. Craser complot ça pour victoire. Jésus-Christ. Prédit encore que si vous rêvez que vous perdez du bag ou n'endormi, eh bien attention, famille. Attention, pour quelqu'un en séparation dans la famille. Pour que tu es concerné, pas qu'à vivre ensemble encore, ok, il y a un pour le faire bon gauche, il y a un pour le faire bon droite. Donc c'est tout ça de gagner pour bag là, donc dans le moment qui m'a parlé là, donc leur rêve bag, donc c'est toute réponse ça, donc nous t'ai porté pour que leur rêve bag pour pas courir tracasser tête tout.
ou pas cassé pour pas courir ta cassé tête tout parce que leur rêve que un démon vient mettre un bac dans doua tout donc ou pas ca ouais son démon et bien c'est trahir vient trahir c'est trahir vient trahir il vient pour le prendre en camp pour le finir avec vie ah bien ou connaît le positif connaît ou connaît le négatif donc moi c'est que pour mon qui a posé même question yo donc après émission ou ca retendre live encore ca retendre encore pour que ou capable comprendre leur rêve bag et ça le dit. Là bon prend deuxième interprétation ça donc pour monde qui souvent rêvait qu'il y a bien yo en pile monde très souvent yo rêvait qu'il y a bien et bien on besoin qu'on ait qui ça ça veut dire leur rêvait qu'il y a bien ou très qu'on ait qui ça ça veut dire donc si vous rêvez que vous baignez dans une rivière donc qui gagne pile de l'eau donc vous avez de l'eau à clair et bien qui ça bon Dieu veut dire et bien projet que vous avez gagné dans un moment et bien projet ça et bien il n'est pas accompli si vous rêvez que c'est une grande rivière donc vous baignez et bien on va bien dans rivière pour être l'eau à courir avec force. Attendez bien, si vous rêvez que vous êtes bien dans rivière, côté que de l'eau à courir là pour aller avec force. Malgré que vous êtes clair, eh bien, bon Dieu veut dire que tout rêve vous avez dans un moment ça, tout projet que vous avez dans un moment ça, eh bien, ça pas marcher. Ça pas marcher. J'en ai de l'eau à courir à force là. Eh bien, c'est comme ça, tout, eh bien, projet où il va disparaître tout. Ça veut dire, on pas marcher pour le moment. Attention. Que ou a baigner dans un canal de l'eau. Attendez bien. Il y a une grande différence entre une rivière et un canal. Attention. Si vous rêvez que ou a baigner dans une rivière, donc me te ba aux significations déjà, qu'on y a là na bord deuxième signification pour l'eau a baigner. Si vous rêvez que c'est dans un canal de l'eau, donc ou a baigner. Ah bien, bon Dieu veut dire que ou pour le bénir, ou pour le faire succès, ou pour le faire exploit. Que ou pour le gain pile bénédiction donc qui t'est caché qui vient sous la vie ou maintenant. T'as arrivé que c'est un canal de l'eau, donc un canal de l'eau, bien un canal de l'eau. Donc pour capi bien comprendre, bien on dit vous dire que pral béni en pile pour pral faire succès très 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 important pour monde qui connait à bien yo
si vous rêvez que vous avez baigné dans de l'eau et pour essayer couper ou couper ou couper dans de l'eau ou couper dans de l'eau vous avez baigné, et bien moi je voulais dire que richesse vous avez tant nous dégagez pour avancer pour aller jouer une richesse là. Si vous avez rêvé que vous avez baigné dans un canal de l'eau et pour essayer couper ou couper à terre, et bien bon Dieu voulait dire que richesse ou attend nous on y a là si l'heure lever c'est dormir ou t'as fait paris, et bien bon Dieu voulait dire que pas dormir encore, pas chita encore, marcher battre la rue hein, mettez connaissance ou dehors parce qu'on pourra tomber sur l'eau richesse ou très 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 important. Rêvez que vous ben bien dans de l'eau, donc où est de l'eau à li? Où est de l'eau pas trop chaud, li pas trop fret? Allez, li entre deux. Où est pas trop chaud, pas trop fret? Où est-ce qu'on l'avait? C'est pas bien, oui? Si vous rêvez que vous ben bien dans de l'eau, donc de l'eau pas trop chaud, li pas trop fret. Eh bien, bon Dieu, vous voulez dire que vous pouvez subir quelques tribulations en amour. Que nan fraye ou ou bien nan fiancé a, donc pour al gon coupure hein, donc ou pas subir yon échec là, donc qui pas pote fuit. Si ou ta rêvé que ou ben nan de l'eau ou est de l'eau pas trop chaud, li pas trop frais, ça veut dire li entre deux ben ou pas subir yon tribulation là, question l'amour dans foyer ou bien dans fiancé à là qui pas douce pour du tout. Mes amis, est-ce qu'elle l'avait, est-ce qu'elle voulait comprendre réalité la vie hein? Donc tout ça m'a dit là, tout ça m'a interprété pour là. Donc les jours où on tout ça m'a dit là, ou vivre en paix, ou vivre même avec tout le monde, même si vous pas de l'argent, ou vivre en paix. Comment ça fait ça? Parce que avant bagarre l'arrivée, depuis bon Dieu qui est arrivé loli, ou dit ah bon, m'étais en train ça. Donc m'étais en train déjà. Bon bah et tout, ça pas ébranler moi même. Bon ça pas ébranler, c'est là. C'est là nous devons arriver. Mais le ou est que ou pas gen connaissance de la parole, donc ou pas ka comprendre son ouéa, et bien les bagages la vine sous ou bien ou dépalé, gen moun ki kon même tue tête yo. Parce que ou pas de penser à ça. Attention. Si vous voyez que pendant vous baignez dans de l'eau, donc vous voyez bonne température, donc dans de l'eau vous voyez bonne température, donc qui vraiment idéal, qui vraiment parfait, qui vraiment comme on te dit belle, eh bien c'est symbole bonheur en amour. Ça veut dire tout le monde qui te gagne haine dans cœur pour yo, tout le monde qui te raille yo, mes mari ou bien madame ou bien petite ou bien sœur frère, ou bien n'importe mon lité, ah, et bien si vous rêvez que pendant vous bien ouais température vraiment belle, donc il est vraiment clair, et bien bon Dieu voulait dire que rien qui est dans cœur monde pour qui dans cœur mari ou cœur madame ou cœur petit ou cœur frère ou cœur sœur pour, et bien rien ça au parler encore yo aller le Seigneur font lavage, et bien on va prêter comme ça tout le monde pour le remettre au connia. Rêvez que vous ben dans la mer pendant que vous ben dans la mer et vous êtes la mer agitée. Est-ce que vous entendez ça? Donc si vous êtes la mer agitée, eh bien, vous mettrez titan pour quelqu'un une bénédiction pour l'éclater dans l'entreprise ou dans le business ou bien dans la vie ou quelconque. Pour quelqu'un éclatement bénédiction pour le fait là, pour l'éclater, donc vous pouvez le saisir. Si vous rêvez que vous ben dans la mer, pendant que vous ben dans la mer, vous êtes la mer agitée. Eh bien, entreprise ou en business ou en, eh bien, travail ou en, eh bien, on prend la promotion là-dedans, on prend le faire succès.
qui c'est différent entre le que ou rêvé que ouais ou tomber dans la mer ou pas qu'à sortir ou bien un ou garde ouais que ou ben dans la mer et puis ouais l'âme la mer pour la vous l'autre bord ou quoi pas nous couler ou tout mourir dans la mer. Donc c'est différent ça ou pour faire. OK, donc dans bon sens là ou ben dans la mer ou elle agité, bien ou pas le prendre promotion, ou pas le faire succès, ou pas le faire exploit. Très 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 important. Tout ça m'était gain pour nous. Donc dans le moment que m'a parlé là, l'or rêvé, donc on dit là l'or rêvé bague, donc nous avons interprété le pour l'or rêvé en mer. Donc l'or rêvé en mer, donc nous avons interprété le pour, c'est tout ce que nous dit là. Attention. Que l'on écrit nous, donc nous pouvons répondre, c'est parce que l'un gagne un sujet, donc nous avons débat, ou bien nous avons parlé sous lui, donc nous ne pouvons pas mélanger bagaille, parce que chaque grain bagaille ou dîme là, donc c'est yon, c'est y a plusieurs significations. Ça veut dire, on ne peut pas mélanger bagaille, donc dans le moment que vous avez entendu maintenant, vous avez parlé sous question bague, vous avez parlé sous question qui sont la mer. Donc l'homme fin fait émission, si vous voulez qu'il attende là encore, ou bien ou même qui t'a dormi n'importe l'heure, donc ou t'arrivé bague ou t'arrivé la mer, donc ou a dit que pasteur Job te font émission qui t'est titré l'or rêvé bague ou bien la mer. Donc qui ça le dit, bien ou pas qu'on est dans telle émission, mais ça me t'est dit, si m'a prend bagaille comme ça, m'a prend oh ben il est pas bon, donc pour elle vient gon cacophonie. Donc moi je parle sur troisième bagaille ça dans moment ça là. Donc je pense que c'est troisième bagaille que je vais parler sous lui pour que moi aller, parce que je pas croire que m'apprend trop encore. Donc je vais parler sur mot ça qui c'est baiser, donc en plus le monde connaît, donc en créole vous voulez dire que beau, donc l'eau beau avec un monde, donc au contre bouche monan ou bien au contre macho avec macho monan. Donc ça c'est un bisou, donc un petit bisou ou bien un baiser ou bien ou bon mounan, eh bien ou pas le connaît qui ça veut dire leur rêve, donc yon moun font bisou pour ou bien ou font bisou pour moun, ou pas le connaît qui ça veut dire. Attention. Il y a un peu de monde qui pose une question, on dit pasteur, qui côté ou t'es, pour qui ça c'est qu'on y a en telle émission, donc il paraît dans le monde là. Donc, m'a dit ça, bon Dieu fait tout à fait dans l'œil, donc dans microseconde li, donc dans jour vle, dans mois vle, dans année vle. Et bon Dieu commence par n'importe monde. Il dit qu'il n'a pas commencé avec frère Job, mais il a commencé avec un autre monde. Un autre monde. Parce que première génération donc que bon Dieu t'a créé, donc c'était Adam et Ève. Avant Adam, par contre, qui ça t'a gagné? Mais pour même dans la Bible que m'applique là, donc moi je viens de Adam avec Eve, donc qui était premier papa, qui était premier maman, qui était là avant moi-même, avant. Qui pour victoire? Eh bien, Jésus-Christ, j'en me lever tête, moi, Piro. Qui pour victoire? Et m'a toujours descendu tête moins devant grand architecte là, parce que
Li choisi fait grâce avec moi-même, joue moi-même tout. M'a dit joue moi-même tout. Joue moi-même tout hein. Premier grand haïtien, hein? Premier grand haïtien. Le Seigneur donc lui encore fait une grâce comme ça. Donc je pas compte qui quantité le faire grâce là pour que capable encore travailler mais un grand haïtien donc quelqu'un joindre quand cap découvrir en pile vérité sur ça qui les rêve sans vision. Nous pour aller si vous rêvez que yon monde vient font bisou pour pendant la nuit tendez oui pendant que pendant la nuit donc ou t'a que yon monde vient font bisou pour qui ça veut dire. Bien, ou pour le trouver grâce, non mais la vie a eu là, ou pour le faire pile succès, ou pour le faire pile exploit, et n'importe son moyen, ou pour le faire succès là-dedans, c'est symbole réussite, c'est symbole fortune, et sur le plan sentimental aussi, t'as rêvé que yon moun vin font bisous pour que dans mitan la nuit, hein? Eh bien, souffre bien pour vous. N'importe ça que t'as mal marché pour dans même semaine, si on fait rêve ça, ou bien on fait son ça, eh bien, ou pas de que tout bagaille commence à marcher normal. Dans même semaine, où t'as fait rêve, t'as oué que dans mitan la nuit, donc yon moun vin font bisous pour vous. Yon moun vin font bisous pour vous, eh bien, c'est symbole fortune, Raphaël, symbole réussite. Sous toute forme, sous toute forme, sous toute forme. Rêver que vous recevez un bisou donc la vie pour le faire une surprise agréable dans jou cap vin là. Attendez bien mes bien-aimés. Si vous rêvez que un monde vient faire un bisou pour dans mitan la nuit, eh bien c'est symbole fortune, symbole réussite. Et le recevez un baiser encore en son jour, eh bien, la vie pour le faire une surprise, une surprise agréable. Non, jou kap vin la yo. Pour que tout ça tape mal marché, ou pas le conseil ou changer. Mes amis, moi me dis non bagay, pour qui ça fait que bon Dieu parle plusieurs façons? C'est pour le cas consoler nous. C'est pour le cas consoler nous. Pour le cas consoler nous. Et moun ki pa konn li yo. Moun ki pa konn li yo. Comment y'a fait li Bible? Il y a place seulement pour y attendre. Mais comment y a qu'à faire pour ouvrir la Bible là, hein, pour y comprendre? Mais ça, bon Dieu dit, mais ça, bon Dieu pas dit. Si pas grand monde qui lit pour y. Et bien, on a constaté que, eh bien, bon Dieu met tes rêves sans vision pour ni monde qui connaît lit, pour ni monde qui pas connaît lit. Ça veut dire, bon Dieu parle à tout monde net. Tout monde net. Ou après que grand monde cale tout y tête lit. Libre poison. Pendant que bon Dieu t'a montré que problème n'a pas venu, mais il pas prêté. M'a bon courage pour supporter sa cabine de fond là. Pas besoin peu, hein, problème n'a pas qu'à laver. Mais pour vu que bon Dieu parle, il pas comprendre, eh bien les problèmes n'ont venu qui ça le fait l'obligé de poison. Alors que bon Dieu te dit que problème ça l'a venu sur tout mais il pas prêté. Elle va aller. Et frère Job fini nous après dit encore à toute fierté. Avec toute grâce que bon Dieu fait. N'importe monde qui marche dans l'église ou est pasteur, pas quoi dans vision, il pas quoi dans songe, il pas quoi dans rêve. Ou elle dit OK son seule révélation que tu écris, vous comprendre c'est seulement la Bible, c'est parce qu'il pas qu'on veble, il pas qu'on ça l'a dit. Il pas qu'on ça le dit. Mandel qui sont révélations yé pour essayer d'ap carré pour nous. Mandel qui sont révélations yé. Qui sont révélations yé? Une révélation OK son bagaille qui t'est caché ou pas de connait et puis un bonjour et puis un monde vient faire connait.
C'est ça qu'on révélation. C'est ça qu'on révélation. Même gens que la Bible qui c'est la parole de Dieu. Donc l'homme était dans le monde, il était dans l'ignorance. Donc il pas de compte qui ça Jésus. Mais le Saint-Esprit de Dieu frappe porte comme. Hein, ouais, le Saint-Esprit de Dieu frappe porte comme. On y a la moins vin John Jésus. On y a là ou après que mon seul langage, moi regrette infiniment pas de être vin dans l'évangile. Ça sont révélations. Ça veut dire une révélation de monde ça a créé Jésus-Christ de Nazareth là. Donc malgré le t'es là, mais ou pas de connaître. Est-ce que vous entendez? Mais ça en pile pasteur tomber là-dedans mais ça ou pas ca mais verbe ou pas ca conjuguer à comprendre ou pas yo pas ca conjuguer verbe ça ouais mais là conjuguer verbe offrande verbe dim à ouais ça la famille regarde y a manger monde pour ça a yo fon en conjuguer verbe dim verbe offrande le fidèle la pas ba offrande le fidèle la pas ba dim mon cher y a bien conjuguer verbe là pour c'est fuck ou bail ça mais ouais dans l'autre bagaille yo qui te mêlé avant ils a fait cadeau ça te gain pour mourir on l'autre fidèle a vienne encore un dit me dit encore yon pasteur ou est pas croire dans rêve qui pas croire dans vision pas croire dans songe sorti devant connait le vend nous toute net li vend nous toute net tout nous toute net zombie tout monde avec devant yo toutes ces zombies il vend toute net voilà lui est venu pour que me bonne vérité à Jean lui m'pas venir serrer nous rien m'pas venir serrer nous rien absolument rien donc m'a bonne Jean lui ouais émission ça ou m camper là m'baille un pasteur défi un pasteur qui gagne pasteur dans pasteur m'bon défi relé m dans émission ça pour dire rêve pas existe encore vision pas existe encore et songe pas existe encore et puis m'a pose trois seules questions et puis relé toute fidèle ou yo mettez tout fidèle ou yo comment te ka dit sous poste pour y attendre débat moi même avant et puis pour m'a pose trois questions et puis ou pas gon gen fidèle qui devant encore parce que le jour où yo kon vérité yo pas camper devant encore yo pas chita devant encore parce qu'on vient pour détruire parce que quand on m'a parlé à vos visions des songes de en rêvant donc comment pas le faire comprendre que Jésus vini vision toujours là, songe toujours là, rêve toujours là, révélation cachée toujours là. Jésus vient aller, le Saint-Esprit de Dieu vini, ou après que Pierre fait vision. Ouais, Pierre fait une vision, côté que l'oué, yon panier, vous comprenez ça, Abdoulan qui a sorti en l'air, et puis il y a toutes sortes de bêtes là-dedans, toutes sortes de bails là-dedans, et puis froid après, il dit Pierre, mangez. Pendant que côté Pierre était couché, en l'air tête. Yon kay et puis yon ti dormi prend li tombe en extase et puis meni la font vision. Yon wal dim que konn yam bal mando pou ki sa Pierre tu obligé faire vision parce que le Saint-Esprit de Dieu te getan vini sur terre. Donc comment Pierre fait vision pendant que le Saint-Esprit de Dieu te getan vini sur terre. OK. Donc Paul fait vision. Plusieurs fois Paul a dormi, Paul fait vision, d'un côté pour pas aller, bon Dieu dit non pas aller. D'un côté pour l'aller tout, bon Dieu dit l'aller. Konn yon wa pa dim que qu'on y a là oh la Bible c'est dernière révélation. Qui est-ce qui t'a écrit Bible là? Qui est-ce qui t'a écrit? D'ailleurs, pas de gain yon. Le mot Bible donc il vient juste après. Donc tout ça m'a dit là, yo t'a écrit dans un livre qui relé rouleau. Pour comprendre ça m'a dit rouleau. Tout ça m'a dit là, gain tout dans yo t'a écrit dans feuille bois, dans gros feuille bois yo t'a écrit. Tout ça m'a dit là, gain dans yo tout, yo t'a écrit dans wash. Parce que technologie a pas de quoi avancer dans temps ça. Donc qui le qui l'évangile là pral paraître pral prendre l'autre dimension c'est avec un Martin Luther King donc qui pral goumer maintenant qui pral goumer ça veut dire Bible c'est grand donc il sorti sous Martin Luther King ça veut dire c'est pas trop longtemps et puis qui est-ce qui te bail Bible non le Bible là ouais, tout ça ça veut dire l'ordre dit que la Bible c'est dernière révélation qui écrit bail ça veut dire ou non menti à tête tout c'est parce que ou pas qu'on soit dire ou pas qu'on soit dire yes, donc il est clair donc mes bien-aimés donc dire ça encore donc n'importe pasteur donc ouais pas quoi dans rêve dans vision dans son sorti devant parce qu'il zombifie correctement le zombifie.
Ok, n'a pas avancé. Donc, on, de temps en temps que m'a interprété, que m'a boqué vérité tout, pour comprendre qui caché, parce que y a aucun bon dedans. Y a pas jamais dit au dimnan expiré. Y a pas jamais dit au frère expiré. Ça veut dire ça y a son obligation pour bailler. Pendant que parole, bon Dieu qui gagne la vie, on y a y prendre, virer, y a notre genre y a tourner. Pour comprendre, y a mettre pas pour y faire quoi non paquet de bagages qui pas vrai. Mais dans tant ça nous dans 21e siècle, nous dans 10e dispensation, et bien bon Dieu en jeunesse là, il mettait capé sous deux pieds là. Vous comprendre ça me dans pour relé chalbari d'être toute malfaite à Bible. OK. OK. Mais qui commène ouais c'est vite ça li pas de jambe rete beaucoup de pasteurs encore qui ça le dit li dit comme ça monsieur gagnon pasteur moins dit moins fait yon révélation moins ouais yon caméra braqué sous moi et puis li dit c'est Satan. Il dit que c'est Satan. Pendant que qui ça veut dire? Li wè yon caméra qui braque sous lui. Moun sa son moun Dieu bon Dieu sous lui, il pas ka faire n'importe bagay, n'importe kotoye fwèm bon Dieu wè ou. Ça veut dire ou pas caché pour bon Dieu. Même Jean le dit dans le psaume 139, David dit depuis l'homme t'en fait maman, mou te getan wè, mou te getan konnen et cetera et ra, et bien l'or rêve que caméra braque sous ou, et bien famille men. Bon Dieu gen contrôle ou. A gran yon ka fan cachette là, attention. Attention, rangez plus aux amis. OK, bon m'avance, pas oublier que n'a parlé sur Moussa qui c'est bisou, baiser beau. OK. Donc il y a un monde qui t'a souffri en pile, donc soit par une maladie ou bien un foyer ou bien quelconque, non, n'importe gens qui t'a souffri. Ou t'a rêvé que dans songe là ou boy un monde sous main ou bien ou fait un bisou sous main un monde, donc un monde allongé main ou font bisou sous main mon nan, et bien qui ça veut dire? Maintenant en main que vous faites bisou à donc il faut que son main donc que ouais qui mon nan faut son bel monde faut le propre et Dieu même mon nan très jeune et puis le beau donc qui ça veut dire on veut dire OK ou pas le jeune repos dans l'esprit ou pas le jeune satisfaction ou pas le jeune la paix rêver que l'on font bisou nan main au monde donc sous domaine au monde et ben c'est symbole repos dans l'esprit satisfaction et la paix. Ça veut dire qu'il y a un bagaille qui te fait cœur troublé ou pas jamais joindre bagaille comme ça encore. Ou pas jamais joindre bagaille comme ça encore. Si vous t'as rêvé que. Si vous t'as rêvé que. Yon bel moun ou bien yon belle femme ou bien yon beau garçon donc paraît devant ou beau le sous domain et bien bon Dieu veut dire que ça te trouble l'esprit ou là ça te fait peur il disparaît maintenant monsieur il disparaît maintenant donc ou pour aller joindre la paix ou pour aller joindre satisfaction ou pour aller joindre repos pas gain moyen qu'on y a là pour bail corps problème attention. Je dis à papa. La point coulant mais nous là.
rêvé que yon mas ici ou bien ma divine bon ou nan dormi, et bien mon Dieu voulait dire ok, attention, c'est symbole séduction, séduction. Donc l'on rêve yon mas ici ou bien ma divine bon ou nan dormi, pas oublier ses rêves liés, ok. Donc bon Dieu capable avoir n'importe gens, vous comprenez, n'importe gens, bon Dieu capable trop bagaille là. Donc Satan le diable, donc il prépare bagaille là pour le séduire. Et puis qu'on y a le cagado, ouais, que mas ici en beau son démon qui vient beau, bon Dieu qui est en moto, ça attendez, oui. Son démon qui vient beau avec eux, donc bon Dieu qui t'a montré ça. Bon Dieu montré que yon démon vient beau avant. Et bien c'est symbole séduction, donc en plus le monde pour le séduire, pour le prendre en piège. Attention. Jeune fille ou jeune garçon, yo, donc au rêvé que on monde, alors si pour jeune fille avec jeune garçon, yo, ou bien même pour madame mariée, pour monsieur marié, donc dans dormi on t'a rêvé que yon monde font bisou pour à distance. Ça veut dire mon nan ou comprendre qu'on fait déjà, donc dans la rue, et puis yon monde qu'on font bisou pour le faire amen. Ou comprendre ça me donne bien que c'est pas fille visage dit qui joue avec visage ou main à distance qu'il fait bisou à pour ou. Et puis ça veut dire, et ben si ou son monde qui était marié ou bien pour qu'on marié, bon Dieu dit ok, ouais mon sac dans mon an, il pas prêté pour tout le temps, il pas prêté. Mon sac dans mon an là ou à l'école là, il pas prêté pour tout le temps. Comment c'est passé la passé, hein? Ou bien souterrain mais avec mon sac, mon Dieu voulait dire ou pas bien calé, même si elle fait à coup le temps, il était tellement remé ou passé la ligne avec soleil. Donc ou pas besoin quoi dans lit, ok, pas quoi dans lit. Son remet pour des jours. Ou t'as gardé tout, même madame qui marie ou bien Maria. Ou t'as gardé son monde qui font bisous pour à distance. Eh bien, ça veut dire que l'amour ça pas durer. L'amour ça pas durer. Mes amis, écrit, marqué. L'amour ça pas durer pour des jours. Ou alors, était comme ça. Donc, yon a vivre tête en qui avec l'autre. Donc, parole yo, pap ka kembe encore. Yon pap ka satisfait des ilotes. C'est tout ça. Rêver que dans dormi ou est que yon moun ou te ennemi avec ou est que ou vinn bak ou lad avec moun sa nan dormi, donc yon moun ou pa ta lèz avec du tout, et pou nan dormi moun sa vinn an boisé avant. Et puis bon Dieu veut dire que bien bagay la son bagay ka amplifier lié. Ça veut dire réconciliation li pa pou demain, son bagay ki loin lié. On pas fatigué corps, pas collé sous monde, ça fait pile prudence avec l'autre. T'as gardé ta monde comprendre ou pas collé avec, et puis une barre ou accolade dans dormir. Et bien bon Dieu veut dire ok, fait un pile prudence, attention, parce que bagaille ça son bagaille qui amplifié, réconciliation ça pas pour demain, et son bagaille qui a nos thèmes liés, attention. Rêver que ou est plusieurs mon a fait échange bisous, donc c'est ou quoi plusieurs mon a beau fin beau sale bon, l'autre fin beau sale bon, l'autre fin beau sale bon, l'autre, et bien qui ça veut dire dégage pour mettre l'autre dans vie, ou parce que mon ça finir mon connia et puis pas un mon corps, et puis on l'autre pour le prendre, l'autre ça finir mon connia là, et puis après ça le pas prendre mon col pour le prendre, ou même toi après mon ça, et puis après pas prendre mon col, ok, l'autre regarde ou un bisou refoulé, hein. Donc attention famille. Chaque monde qui finit vraiment, que soit le fin bail, l'aller, l'autre venir, l'aller, on l'autre bail, l'aller. Et j'étais très attention, prie en pile sur ça. Qui pour victoire, Jésus-Christ.
rêvé que ou beau pied en monde nan dormi en ou met genou nan pied moun nan ou beau pied. On dit veut dire sou pa pri en pile ou ap mouri mort humiliation parce que humiliation ap touye ou le rêvé que ou font bisou nan pied en monde. Eh bien humiliation ap touye ou. Attention. Ou rêvé que ou beau pied en monde la gè kor dans le gène parce qu'on démon qui la gè nan kor pour faire mourir mort humiliation. Donc faut bon tout net hein. Oublie que gen moun ki konn rive mort, gen moun ki konn rive mort, donc le rive mort ça konn ban pile problème. Mais gen pa faut rive mort, li pa mauvais. M toujours prend exemple ça, m di que plusieurs moun, n'importe moun li a ou ka rive homme de Dieu qui mouri, ou ka rive un servant bon Dieu tout mouri, ça va dépendre de qui jon wèl. C'est ça pour nous comprendre qui jon wèl, ça qui passé. Ça qui passé comme wèl. Comme wèl. Eh bien, si vous rêvez que vous embrassez yon mort, yon moun qui te mouri donc ou wè ou embrassé, nou ba akolade, ou wè que sans se pa nan genouye, donc li pa batou, nou pa goumè, donc ou wè akolade la, son akolade ou wè moun nan pa etou bien fré malgré que le mouri déjà, moun wè que ou ba akolade avèl. Eh bien, ça c'est un acte sacré. Ça c'est un acte sacré. Et puis même si nan mou t'es troublé, même si nan mou t'ap vivre dans la peur, immédiatement que vous finissez ça, et bien vous cherchez la peur ou pas pour elle. Nan mou t'es troublé ou pas pour elle encore. Attention. Pour ça tout l'or rêver mort à faire sexe avant d'endormir, ben c'est erreur du criminel là donc qui vient. Donc ou pas il doit arriver à faire sexe avec mort d'endormi. Ou pas il doit arriver tout mort à bon manger d'endormi, ça a pas bon. Ça a pas bon. L'or rêver mort à courir derrière, mort à goûter ma voix, à caler ou hein, mort à petit roche derrière, tout ça ou pas bon. Mais l'or rêver un mort sourire bas ou bien un mort porter un message bas ou tant de ça le dit ou là, et ben c'est pour tant de ça le dit ou là. Donc attention. Ah, et même j'aime toujours dire que bon dame qui était venue côté me dit pasteur moi rêvé que évangéliste Taylor dit mal lire dans Matthieu chapitre 28. Ah ouais. Donc même j'ai un côté négatif là, un côté qui positif là dedans c'est connait ou de connait son wea. C'est connait ou de connait son wea. Sou rêvé tout à faire business pour mort donc ça pas bon. Ça pas bon parce que pas doit vendre pour mort, ça veut dire après que rien pas jamais marcher pour. Sou rêvé tout son mort capable billet ou bien on va mettre rad mort. Donc l'ombrage là mort alors l'ombrage là mort déjà couvert ou déjà plané sous ou mourir sous par la prière. Mais quand ça tombe l'on rêvé que yon mort embrassé ou endormi donc ou elle ba on accolade c'est un acte sacré. Donc très bientôt on va le content nan mon pral vivre en paix. Donc il y a un paquet de bagages qui t'a passé dans vie ou donc on va joindre la paix avec yo. Si on rêve que un monde beau dans yeux mais c'est symbole mariage. Si on rêve que dans yeux donc un monde venir de font bisou pour vous, eh bien bon dit bon réponse là. Tu dis Seigneur, besoin marier, ça fait longtemps besoin marier, pas qu'à marier. Ah bien attention. C'est symbole mariage, le réveil au monde font bisou pour nos yeux. C'est symbole mariage. Si ouais mon en ville ou pas qu'on elle donc ils font bisou pour dans bouche. Eh bien, qui ça veut dire Jésus-Christ. Dégagez au fond même pour mettre l'autre dans foyer hein parce que on conseille des imprudences que on fait. Donc qui pas porter fi pour attention. Jésus-Christ,
Ok, je... Ok. Pasteur, si on rêve que on passe en thèse, alors on va un examen, donc on pas passer examen pour autant de voix qui dit révélation 7 le verset 12, qu'est-ce que ça veut dire? Famille, c'est tout normal que la vie veut sourire ba ou, gen bagay qui veut accomplir dans vie ou mais on peut quoi en mesure pour ça. Donc monde qui rêve verset 12 là, non seulement on peut lire ça dans Apocalypse là, mais chiffre 7, chiffre 12, donc on doit mettre accent sur ça. L'arrivé chiffre 12, donc c'est chiffre persécution, c'est chiffre tribulation. Ça veut dire monde ça dit ça là, bagay yo pas ka OK pour, l'espoir pas ka en paix. Parce que chiffre 7 là, li pas accompli dans vie ou parce que t'es doué passer test là ou pas passer mais maintenant qu'on y a là il dit aller dans verset 12 al garder dans verset 12 là qui ça lui dit mais chiffre 12 là ou doit balan pin importance parce que le chiffre 12 ou le dit tribulation problème tracas difficulté c'est tout ça ça veut dire son monde qui a souffri toujours moi souffri toujours. Et quelques éléments de réponse, bien que j'ai déjà fini là, donc j'ai déjà fini pour le moment que m'a parlé là, donc j'ai fini. Pour moi qui compte rêver qu'il a conduit machine, donc bon, on tire réponse tout petit parce que ça encore son sujet lié pour contre lui. Tout dit ça, son sujet lié pour contre lui. Si vous rêvez que vous avez bien conduit la machine dans le domaine, vous avez bien conduit, donc vous pas fait à gauche ou pas fait à droite, donc vous sentez vous bien conduit, donc vous pas mal conduit la machine. Non? Et bien, qu'est-ce que ça bon Dieu veut dire? Donc vous avez maturité, donc vous pouvez gouverner n'importe qui business, ou qu'à travailler, gérer n'importe gros travail, ou qu'à gérer n'importe gros job, donc vous avez bien passé. Rêver que machine n'en fait chez mes couches avant pour encourager avant. Mon Dieu veut dire encore beaucoup de maturité ou échouer. Ça veut dire ou perdre du vrai chemin. Hein. Dégage pour retourner dans le chemin original. La dépouille machine n'en fait encourager avant ou échouer fin même. Ou pas dans route là même ou perdu. Si vous rêvez que machine crasée, ou faxi dans machine crasée, eh bien si vous avez un ministère, vous mettrez tant de ministres pour le prendre beaucoup, surtout pour monde qui bon, surtout pour monde qui pasteur, docteur, prophète, évangéliste. Lorsque rêve machine, donc machine c'est symbole ministère. Donc de pour rêver que machine crasée, ministre pour le diviser, ministre pour le craser tout. Faut prier en pile pour t'a détourner démon ça. Rêver que tout son fait dans machine pour entrer vitesse ou pas capable c'est symbole retard que tout son t'a pas le fait c'était un bagarre ou t'a pas le fait donc on pas besoin le faire parce que ou pas bon parce que l'esprit est déjà couvert il faut t'appuyer en pile donc rêver que ou bat pour entrer les vieux dans machine non pas rentrer les vieux là-dedans ou gain du mal pour que ou entrer les vieux et ben c'est symbole retard ou après comme ça ou après rien pas marcher pour toute bagarre sur net il y a slow. Si on rêve que machine n'a tombé dans falaise avant, que zéro clair ou pas sorti machine n'a pas sorti Jésus. Eh bien famille mou gen problème pour toute reste vie ou gen problème pour toute reste vie faut prier en pile sur le plan ministériel sur le plan spirituel donc on prend coup les démons de l'enfer des pas ciao attention. Si vous rêvez tout en machine n'a fait bac avant donc c'est bac seulement machine n'a pas avant et bien famille moi prêter comme ça après que
tout avant ou bat pour faire ou pas jambe ka faire avant dans business ou nan rien ou après ça ni bac ou fait bac dans toute bagaille même si t'as le prêté cob la banque cob la perdu ou le prêté cob dans ceci dans cela la perdu moun bon l'argent tout la perdu OK rien pas marcher pour débrouiller avec machine dans ces bac la fait. Et que renoue la chance de la patrie éternelle, le hasard à nous approchant. De la patrie éternelle, le hasard à nous approchant. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le trône du combattant. Adonai la mettra lui-même sur le trône du combattant. Après une fin souffrir sous tes seins, qu'ayant couronne cap en moins. Et Jésus quoi me couronne ça souffre moi parce que je fais une bataille. C'est Jésus quoi me couronne ça souffre moi parce que je fais une bataille. Pasteur, bonsoir, bonjour. Si vous rêvez que je vais dans tête ou abracher, qui ça veut dire? Ou son monde qui a perdu poids, qui a perdu puissance sous toute forme, sur le plan économique, sur le plan spirituel, sur le plan familial, ou a perdu poids, ou a perdu puissance. Et si ou pas la prière en pile, ou a privon le famille, ou pas prendre si ou pas prendre si ou en bas. Parce qu'il y a tellement raide pour vous. Jean Gamounio qu'on dit enfin c'est Rafa. Fait que tout ça au fait pour lumière machine en passé donc pas qu'à passer donc lumière machine n'a pas jamais l'humain on devrait dire que ou perdu sur le plan spirituel ça veut dire ou avec ça veut dire ou même ou fait ministère c'est vrai soit fait mais c'est dans tout pour le tomber parce que sur le plan spirituel ou pas camper sous rien absolument rien. Le rêve que caoutchouc machine ou raché, c'est un membre l'église dans quoi elle mourir. Le rêve que caoutchouc machine li en panne, c'est symbole retard toujours. Ça veut dire n'importe ça t'as pas le faire. Donc ou pas faire succès, ou pas faire exploit là, donne attention. Le rêve signal machine raché. Et bien qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien vision spirituelle ou commence à diminuer. Attention, plongez dans rêve plus. Pourquoi remporter la victoire? Parce que si vous rêvez que tout dans d'air, vous abrachez, qui ça veut dire? Tout ancien monde dans la famille, au monde qui a maturité, tout diable fait plan dans mon survie, tout net. Ça veut dire ancien monde qui est dans la famille, qui a l'âge avancé, le rêve dans d'air, c'est pour monde qui a maturité. Ça coûte tonton, matin, tout grand nous, grand père, grand papa, ou bien maman, ou bien, tout ça, c'est pour dans d'air. Attention, ou rêver que ouais tout abraché si ou pas prier en pile moun pa commencer mourir dans famille là yon pa yon et puis on est quand c'est moun yo k'ap mourir comme ça. Attention l'or révèle l'âme véritable donc que c'est fuir de l'esprit et puis c'est guérison dans le corps. Jésus Christ va mettre pour
Et pour moun ki toujou ap rêve l'âme véritable, donc si ou te konn sa l'âme véritable vole ou elle nan dormi, ou t'ap manje l chaque jour. C'est lò rêve que ou ap kay l'âme véritable. Donc son prescription que bon Dieu ba ou, non seulement sur le plan spirituel mais sur le plan physique. Ça veut dire n'importe maladie que ou gen en dedans. Par moun ki fait cancer nan matrice yo, donc moun docteur dit que pa fait petit yo. Donc ou t'ap rêve l'âme véritable, donc commencer manger l chaque jour. Ou t'as pour arrêter comme ça et puis sortant de là et puis matrice ou pas de kakembe petite la kakembe petite qu'on y a. On va nous secret ça. Et Riz Baptiste, pasteur, chaque jour me réveille l'école. C'est pas l'école où pensez à ça, c'est l'école de la vie. Donc, dès que vous avez vu l'école, bagay yo pap jam vini bel jan ta vle la. Vous comprenez, vous avez toujours la nécessité, vous avez toujours la besoin. Vous avez toujours la nécessité, vous avez toujours la besoin parce que bagay yo pap jam bel jan ta vle yo. Job m'en rêvé que maman moi malade même pas gain accès pour malwel et puis moi même de l'eau pas gain pour le boire. Attention, l'eau rêvé de l'eau c'est symbole la vie, de l'eau c'est symbole la parole. Ça veut dire maman sèche, maman sèche. Et l'eau rêvé que un monde malade tout bon, quelqu'un malade sur le plan spirituel, il pas faut rêvé monde malade, il pas malade couché mais nan n'est pas en paix, donc nan n'est pas nourri avec parole là. Donc dégagez, priez pour lui. Et puis si vous connaissez la parole, enseignez la parole là. Remontez courage de parce que je ne sais pas qui traverser la passion. Il est très important en blême fin répondre une question et je reposer même question encore pendant que m'est en baoul déjà moi dit ou déjà faut entendre tout. OK, entendre. OK, très 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 important. Pasteur, moi rêvé moi vrai que moi sur tête monde et puis moi avec un microphone m'a prêché. Donc l'or rêvé tête monde c'est symbole, c'est symbole la présence de Dieu. Donc elle symbolise la présence de Dieu. Donc l'or rêvé micro dans main, donc c'est un message que on gagne pour faire passer pour le Seigneur. Ça veut dire on gagne un appel évangéliste pour aller évangéliser, pour aller parler pour le Seigneur. Ça veut dire grâce l'or déjà ou vu que ou toujours sous tête monde, donc elle symbolise la présence de Dieu. Ça veut dire bon Dieu déjà en dedans déjà, que le Saint-Esprit de Dieu déjà fait un seul avoir pour qu'il travaille avoir. Et bien c'est dégagé, donc commencez prendre la rue hein, prêcher mon la repentance dans l'église ou bail mon conseil pour faire l'évangile, son appel. Mes amis, bon me dire non bagaille pour me finir ouais mission ça. Tendez bien, chaque monde qui tendait m'pas responsable dans moi encore. Chaque grand monde qui a une chance pour tendre, m'pas responsable problème, m'pas responsable avenir ou demain. Donc ou doué bon Dieu, qu'on y a là ou doué bon Dieu, m'pas doué bon Dieu, donc on y a ou même ou doué bon Dieu. Parce que bon Dieu veut m'faire émission ça pour ouvrir yeux tout le monde qui vit à travers monde là. Que ou t'es haïtien, que ou t'es africain, n'importe sorte. OK. Ah bien, nous là pour que nous ouvrir yeux. Donc tout ça pas de connait. Ou à songer que pasteur Job parce que quand l'homme qui arrive là, qui a fait un mois, deux mois, trois mois, qui a même fait un an, donc je ne vais pas faire émission là. Je me dis ça déjà, donc
même l'église, alors même ministère que bon Dieu ban nous pour que nous travaillons pour lui en tant que frères. Donc très souvent famille ou pas pour me sous chef facile parce que m'pa un pasteur qui remet chez l'église. Pas remet chez l'église. La difficile pour eux que moi monter cher. Donc c'est pour bagage qui facile. Il pour bagage qui facile. Pas facile du tout. Pas facile du tout parce que me tout senti que l'homme en bas avec mon yo, l'homme avec peuple là, m'a dansé avec yo. Donc m'a parlé avec yo. Me senti plus à l'aise mais l'homme éloigné yo, me pas senti trop confortable, me pas senti trop bien. OK. Donc pas tellement remé cher. Vous comprenez ça me dit non, pas oublier que m'a pas gagne folie micro. Parce que je grandis dans le micro, je levé dans le micro. Donc, moi, jeune papa, l'évangile, maman, l'évangile. Donc, je fais nos familles chrétiennes. Donc, et puis, je fais l'église. Donc, je ne fais pas folie micro. Ouais, je folie micro. Je veux dire, bon Dieu, je vais faire 2 ans, pas venir là, pas venir dans les studios là, ou à m'entendre voir. Ça veut dire, rien ne peut me déranger, je suis toujours à l'aise, je suis toujours normal. Pour ça, tout bon Dieu, je viens là chaque jour, après que je viens faire émission chaque jour. OK, moi pour me venir là chaque jour faire mission. Même pas venir faire pas folie là. Vous comprenez pas venir faire rien pas folie là. Bon Dieu vous me travail, ça vous me faire m'a fait avec cœur content sans regret, m'a travail pour le Seigneur. Ça me connaît que en couronne moins li grand, li en pile et yeux me fixé en haut à la manière de David. M'pas gain yeux ici bas. Yeux me fixé en haut parce que c'est mon en haut mien. En haut mieux. Donc que monde qui rêvait que de l'eau descend là et puis il garde l'eau Diana bon vienne. Donc si vous reconnaissez moun sa yo, al prier pour yo rapide parce que vous constatez que madame avec Marie hein, yo sou chaise roulante et puis de l'eau a passé le prend yo. Bon gon événement quand même qui vient pour passer. Gon événement qui vient pour passer, un événement terrible dans la vie famille ça. Mais attention, priez pour yo en pile pour le Seigneur capable encore faire grâce à. Parce qu'il pas facile. Hein. Pasteur, ainsi que en toute fois toujours rêvé que ou gain bébé pendant que ou pas jamais enceinte. Moi dit encore petit tout là, c'est ou pas prendre li nan men on démon. Son démon qu'un bébé petit tout, on dégage ou prendre parce qu'il est là. Al prend petit tout, ou besoin mener combat, ou prendre hein. Jean Juno, attention. Donc si vous pas prier un peu, vous pas recevoir mauvaise nouvelle. Vous pas recevoir une mauvaise nouvelle. Hein? Attention. Priez en pile dans fin alors dans moment que m'a parlé là, commencez la prière pour famille. Si vous pas prier en pile, vous pas recevoir mauvaise nouvelle et vous pas crier en pile attention. Donc l'est arrivé pour que moi aller bon aller parce que nous fatigués en pile moi complètement fatigué. Nous avons constaté que hier soir que nous étions en veille de nuit, nous fait toute nuit là et que depuis matin donc nous là n'a travaillé pour le Seigneur et maintenant dans l'heure côté nous arrivé là encore nous continuons à travailler donc je vais aller parce que fatigué vraiment pile là. Jésus-Christ,
Donc, bon, fin interpréter rêve. Qui pour victoire, Jésus-Christ. Baiser, ok? Pourquoi finir? Bon, fin par l'autre signification. Ok, si vous regardez que vous embrassez maman ou n'endormi, eh bien, c'est une occasion favorable. Que vous joignez dans la vie, donc vous pouvez faire succès, vous pouvez. Pour pouvoir réussir, donc il y a tout ça où tu es doué pour réussir dans la vie. Si vous rêvez que vous embrassez maman, on a dormi. Si vous rêvez que vous embrassez soeur avec frère, on a dormi. Donc, bon Dieu veut dire que vous devez qu'une relation positive avec Zami ou yo. Qui aurait mis en pile, donc pas battre pour gagner division en mettant nous. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous rêvez que vous embrassez frère avec soeur dans le domaine? Donc, c'est dégager aux familles pour faire tout effort pour vivre avec les gens qui sont ensemble avec vous. Donc, merci en pile, merci en pile, merci en pile, merci en pile. C'était un plaisir donc pour que nous t'ayons ensemble maintenant les arrivés pour que moi aller donc et pas oublier que fête radio Rafa donc pas trop longtemps donc nous en construction là pour quand missionnaire là donc pas oublier pour tes supports avec ministère Rafa donc bon Dieu pas manquer pas bénir. C'est un plaisir, c'était pasteur Job Fénelon donc qui encore t'es dans micro 1 et puis nous sous bord là nous t'as fait toute manœuvre technique yo que vous êtes capable encore de recevoir nous très génial. Donc, bon, mettez numéro de téléphone moi en bas live là 3 772 34 57 et que l'autre numéro c'est 22 00 17 17. Donc, ma fiche pour nous. Donc, je m'a gagné l'argent ni l'op m'banou, mais ça m'a banou là plus que l'argent, plus que l'or. Plus que l'or. Alors. Malé, gros bisous pour nous tout le monde. Malé, bye.